Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver sur PDCI TV, votre chaîne préférée, pour ce tout numéro de notre émission Questions d'actualité. Questions d'actualité est une tribune qui traite de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle avec nos invités, nos élus, nos cadres, militants et sympathisants du PDCI-RDA. Il a été candidat indépendant aux législatives du 6 mars 2021. Il est également le président du réseau dynamique du PDCI. Lui, c'est le député Jean-Michel Amankou, notre invité de ce jour. Avec lui, nous allons échanger sur trois thèmes, à savoir élections législatives, le PDCI-RDA et finalement le retour des exilés. Bonjour, honorable. Bonjour. Comme vous le constatez, pour nous accompagner pendant ces échanges, nous sommes avec les journalistes de la presse de l'opposition ivoirienne. Pour le Nouveau Réveil, Jérôme Ndri. Bonjour, Jérôme. Et bonjour, Béatrice. Pour Notre Voix, Ebroutier César. Bonjour, Ebroutier. Bonjour. Sans transition aucune, nous allons évidemment commencer avec le premier point. Mais avant, honorable, vous êtes un élu de la nation et depuis quelques semaines, la Côte d'Ivoire est dans le noir. On nous parle de délestage. Quelle est votre analyse de la situation? D'abord, je voudrais sincèrement dire merci à PDCI TV pour l'opportunité à moi faite d'échanger sur le sujet d'intérêt. Pour revenir à votre question, je voudrais dire que, à écouter le ministre de l'Énergie et des Mines, et quand je fais une analyse systémique de ces dits, il a laissé entendre qu'il y avait des incidents sur les outils de production. Alors, qui ont conduit plus ou moins à la situation de délestage. Mais il n'ose pas aborder le mot délestage. Pourtant, il s'agit de délestage, d'autant plus que les solutions, sinon les mesures proposées, sont des projets structurants pour résorber plus ou moins la situation. Quand on parle de construction de nouvelles centrales thermiques, quand on parle de travaux pour la production de gaz naturel, pour solutionner ce problème, c'est qu'effectivement, c'est un problème structurant. Donc, le problème est structurel et il s'agit bel et bien de délestage et non de situations conjoncturelles, comme nous l'avons fait entendre. Mais je ne suis pas un expert, les voix plus autorisées au niveau du PDCI-RDA vont simplement monter au créneau pour donner la position officielle du parti, parce que je suis plus ou moins astreint à l'obligation de réserve en ma qualité de député, il y a un groupe parlementaire, et certainement nous allons nous prononcer sur la question pour donner la position officielle du parti. Merci honorable, dans l'espoir que nous trouvons des solutions à ce délestage. C'est ça. Honorable Jean-Michel Amankou, lors des élections passées du 6 mars dernier, votre candidature n'a pas été parrainée par votre parti politique. Malgré cela, vous avez participé en tant qu'indépendant et vous êtes venu offrir votre victoire au président Henri Konan Bédié. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous vous êtes dit avec le président Bédié? Vous savez, lorsqu'un parti se donne une méthodologie de choix de candidat, nous essayons de nous mettre dans le moule, d'autant plus que j'ai un état de service pour le PDCI-RDA. J'ai beaucoup fait pour le PDCI, je l'estime, dans ma zone localement. Et j'ai un deal, hein, plus ou moins avec mon prédécesseur, mais qui n'a pas été du tout respecté. D'autant plus qu'à deux reprises, j'ai été choisi par la base. Mais j'ai cédé une première fois pour des questions, d'intérêt, hein, pour le parti. Et la seconde fois, il n'a pas voulu respecter ses engagements. Je me suis dit qu'il fallait partir, d'autant plus que j'avais une volonté farouche de sauver le PDCI localement. Je me suis donné les moyens et l'audace, et je pense que ça m'a souri. Et j'ai échangé avec le président Henri Konan Bédié. Comme vous le savez, j'ai un amour fou pour le président Henri Konan Bédié. Il m'a compris, il m'a félicité, et j'ai exprimé encore une fois mon engagement à ses côtés pour l'aider, non seulement à prendre auprès de lui davantage, mais pour l'aider à moderniser davantage le PDCI-RDA. Merci. Avant de passer la parole au mon frère, je voulais vous demander quels sont vos rapports avec le prédécesseur. Écoutez, vous savez que toute élection laisse toujours des maîtres sûrs, mais je pense que ça va passer. Parce que moi, je suis toujours porté dans le sens de la solidarité, de l'unité d'action pour le PDCI-RDA. C'est mon aîné. Il a ses forces, il a ses faiblesses. Je me dis que pour le PDCI-RDA, on peut toujours faire des sacrifices. En soi, je peux vous rassurer que nos rapports seront toujours beau fixe et je m'efforcerai pour que ça soit toujours beau fixe. Honorable, vous êtes délégué PDCI à numéro 2. C'est ça, c'est ça. Et vous partez en indépendant, c'est ça. C'est-à-dire contre le candidat de l'opposition. C'est ça. Et vous sortez victorieux. C'est ça. Est-ce à dire que le PDCI en perd de vitesse dans vous, votre localité? Non, pas du tout. Ne voyez pas ça sous cet angle. Non, pas du tout. Vous savez que personnellement, j'ai une histoire avec le PDCI-RDA. J'ai une famille innée qui a le sang PDCI-RDA, d'abord qui paye. J'ai posé des actes pour le PDCI-RDA localement. J'ai
toutes ces actions que je viens de poser, c'est-à-dire que tout ce qui est dit, tout ce qui est compromis, sont connus de tous, par tous les militants. Ça ne se fait pas en cachette, c'est connu de tous. Donc, vous savez que les militants n'aiment pas du tout l'injustice. Et j'ai dit tout à l'heure que lorsque le parti se donne une méthodologie pour opérer un choix, nous nous disons que le choix devait se faire au regard de la méthodologie. Je ne voulais pas critiquer le système pour critiquer le système. Ils ont les raisons. Mais je me suis posé des questions pour savoir, est-ce que peut-être je n'ai pas fauté quelque part, peut-être que j'ai eu à poser des actes qui ne sont pas compris, etc. etc. Donc, ce n'est pas que le PDC n'existe pas, ou bien non, le PDC est bel et bien. Je dirais même que je suis indépendant, mais j'ai gagné grâce au PDC ADA, puisque j'avais le personnel politique avec moi. Donc, je ne dirais pas que la faute vient de moi, je ne dirais pas que la faute aussi vient de la direction, mais je pense que c'est de revoir un peu le mode opérationnel pour le choix des candidats. Alors, honorable, comme vous, il y a beaucoup de candidats indépendants qui ont été élus. C'est ça. Et par la suite, ils sont retournés vers leur formation d'origine. C'est ça. PDCI, RHDP. C'est ça. Est-ce que ça ne pose pas un problème politique, voire même d'honnêteté vis-à-vis des électeurs? Si je suis candidat RHDP, que je pars au PDCI ou même PDCI, que je pars au RHDP, on peut parler du point d'honnêteté. Mais lorsqu'on est indépendant, cela veut dire que c'est soi-même, on porte un idéal. Et moi, je pense que, en ce qui me concerne, j'avais une volonté de sauver le PDC-RDA. Parce que pour celui qui connaît la zone, nous avons un candidat RHDP, nous avons deux ministres, et non des moindres, qui sont quand même à un certain niveau au niveau du RHDP, qui avait le poulet. Le FPI aussi y était, le PDCI avec mon prédécesseur, qui malheureusement, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, je veux dire, avait des problèmes sur le terrain. Donc, il nous fallait avoir un candidat pour porter le PDCI RDA très haut. Et j'ai posé ma candidature, malheureusement, je n'ai pas été retenu. Je me dis, je ne pouvais pas laisser les choses aller ainsi. Il me fallait aller au front, avoir de l'audace. C'est ce que j'essaie de faire. Et j'estime que nous avons sauvé le PDCI RDA parce que, n'eût été ma candidature, il serait vraiment difficile pour le PDCI RDA de maintenir sa base. Permettez cette situation à... Vous avez fait perdre quand même le poste de délégué à un moment donné, après on vous a réhabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, quel sera votre langage? Un délégué qui a été démis, après il revient face aux militants? Non, je ne suis pas offusqué, parce que j'estime que ça va de soi. Dès que vous êtes indépendant, que vous n'avez pas été choisi par la direction du parti, vous allez en indépendant, logiquement, on doit vous démettre. Ça va. Je m'y attendais, je me suis forgé un état d'esprit. Il me fallait relever un défi. J'avais foi à ma chose. Et voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai été réhabilité, donc il n'y a pas de souci. Alors, aujourd'hui, vous êtes donc député. Oui. Quels sont vos projets pour la population? Bon, vous savez, le député n'a pas forcément de projet. Notre rôle, c'est le contrôle de l'action publique. Et puis la consultation publique de tous les sujets d'intérêt national. C'est notre rôle. Nous sommes les députés de la nation. Donc, nous agissons de façon transversale sur toute l'étendue du territoire, là où il y a lieu d'expliquer les projets de loi, etc. etc. Donc, c'est d'abord ça. Maintenant, personnellement, c'est de faire en sorte que le PDCI puisse consolider suffisamment sa base localement. Alors là, il y a des actions qui sont menées personnellement. Je veux dire, de peut-être initier de façon trimestrielle des rencontres avec les leaders d'opinion pour expliquer un peu ce qui s'est fait à l'Assemblée nationale, remonter un peu les préoccupations des populations vers les entités locales qui gèrent plus ou moins, le conseil général, la mairie et tout ça, pour quand même porter les projets, les préoccupations des populations et puis trouver des solutions. C'est un peu ça, être à l'écoute des populations. Donc, nous donnons les moyens pour cela et puis je pense que ça, avec l'aide de Dieu, ça ira. Est-ce qu'on peut s'attendre à une proposition de loi concernant la vie d'Annie Bleco? Bon, vous savez qu'il y a des questions orales que nous pouvons initier. Le point du délestage, c'est un peu un problème qui touche toute la nation. Donc, je pense qu'au niveau du groupe parlementaire, il y aura certainement une initiative dans ce sens. Mais localement, il n'y a pas de problème spécifique forcément à Imbleco. Mais tous les problèmes sont des problèmes d'ordre transversal. Donc, de façon générale, il y a des questions que nous pouvons traiter. Mais localement... Bon, pour l'instant, on n'a pas encore fait le diagnostic, puisque j'envisage des consultations locales avec la chefferie, avec le corps préfectoral, pour comprendre un peu les problèmes de nos parents, et puis voir s'il y a lieu d'initier soit un projet de loi à proposer à l'ensemble du groupe parlementaire du PDC, qui va porter certainement. Mais je pense qu'on y réfléchit.
on y réfléchit. Merci. Nous allons passer au deuxième point, le PDCI-RDA. Ouais. L'actualité du PDCI-RDA, comme nous savons, est toujours le 75e anniversaire. Comment avez-vous accueilli, en tant qu'homme politique, en tant qu'élu, le discours du président Henri Konan Bédié? Ce fut un moment de rétrospection, en ce qui me concerne, parce que je me suis permis de faire un bilan de mon parti. Le bilan dans l'ensemble est un bilan positif, mais beaucoup de choses restent à faire en termes de structuration du parti, de l'organisation du parti, du thème de capacité, de redevabilité de tout ce que nous faisons. Et en la matière, il faut apporter de la réflexion. Il faut apporter de la réflexion. Et je suis d'autant plus heureux qu'à écouter le président Henri Konan Bédié lors de son discours, il a pointé du doigt tout ce qu'il y a lieu de faire pour performer, hein, au niveau du PDCI-RDA. Donc voilà un peu, je pense que les perspectives sont bonnes. Mais ce que je retiens surtout, c'est la capacité de résilience du président Henri Konan Bédié. Parce qu'au regard de toutes les situations que nous avons vécues, des pressions énormes, des menaces de tous ordres, le président Bédié a résisté. Il a résisté. Et je pense qu'il aurait fallu le président Henri Konan Bédié pour que le PDCI-RDA tienne bon. Et je voudrais sincèrement lui rendre hommage. Oui, mais on aura beaucoup de cette célébration aussi. Oui. Il a mis la classe politique, les hommes politiques ou le PDCI en mission. Et qu'est-ce que cela implique? Bon, mettre le PDCI en mission, c'est mettre les dirigeants du PDCI en mission. Effectivement. Si le président Bédié a décidé de mettre la direction du parti en mission, c'est parce que quelque part, il s'est permis de faire un diagnostic. C'est tellement qu'il y a des failles. Tout parti a des failles. Hein. Je pense que le plus important, c'est d'apporter des mesures correctrices à ce niveau. Et nous y attelons. La preuve, il vient de mettre en place le comité politique. C'est tellement qu'il va essayer de peaufiner les organes du parti pour les rendre davantage opérationnels. Parce que les enjeux, c'est 2025. 2025, c'est aussi les élections locales à venir en 2023. Il faut anticiper, il faut prévoir, il faut organiser, il faut structurer. Voilà. Donc, je pense que la direction, le secrétaire exécutif en chef en a conscience. Le comité politique également en a conscience. Et je pense que ça augure de perspectives meilleures pour le parti. En Europe, c'est 75 ans du PDCI intégré dans un contexte où le PDCI a connu des martyrs lors de récentes élections présidentielles. En son sein également, le PDCI est un peu secoué par quelques remous. Comment vous voyez toute cette situation-là? Est-ce que vous pensez que cela augure d'un avenir meilleur pour le parti aujourd'hui, avec toute cette situation qu'on connaît? Bon, pour nous qui avons fait un peu les études sur le management des organisations, les remous font partie de la vitalité d'une organisation. Ça démontre de la vitalité du PDCI-RDA. Je ne voulais pas qu'on soit un peu complexé de comprendre qu'il y a souvent des remous. Il faut s'en féliciter. Mais le plus important, c'est d'y apporter des solutions. Et je pense que les solutions sont en train d'être mises en place pour résorber ces questions difficiles. Voilà, j'ai foi, tout simplement. Le PDCI fait ses 75 ans, votre ancien allié, le RDA, vous étiez au sein du RIDP, vous êtes sorti du RIDP. Oui. Aujourd'hui, pendant que vous célébrez vos 75 ans, il vous faut encore un appel de pied. Le président Alassane Ouattara récemment demande à ce que le PDCI revienne pour reprendre sa place. Il a même mis le premier ministre chez Patrick en mission. Comment vous percevez cet appel-là du président de la République? Moi, je veux être clair avec vous. Vous avez dit tout à l'heure que le PDCI se confond avec l'histoire de la Côte d'Ivoire. Hein? Au sein du PDCI, nous avons vu le RDA qui s'est créé, l'UDPCI, le MFA, tout cela sort du PDCI. Bien sûr. Hein? Donc, vous comprenez la logique. La logique est toute simple. C'est au RHDP de revenir au PDCI-RDA. Il est hors de question. En tout cas, en ce qui, moi, comme je ne suis pas le décideur, c'est le président Bédié qui donnera la conduite à tenir. Mais s'il y a un conseil, un avis à donner véritablement en tant qu'homme politique, j'estime que c'est au RHDP de revenir au PDCI-RDA. Ce n'est pas parce qu'on est au pouvoir qu'on doit vous rejoindre. On rejoint la moralité, on rejoint où il y a le bon sens. Et le bon sens, c'est que le RHDP doit revenir au PDCI-RDA. Vous regrettez plus votre présence au sein du RDP avec le RDA? Vous avez passé 10 ans au pouvoir. Nous n'avons pas de regrets parce que le PDCI-RDA n'est pas attaché au matériel. C'est quand on est attaché au matériel qu'on a des regrets. Non! Nous avons le devoir de défendre
la nation ivoirienne, le PDCIDA. Parce que le PDCIDA, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et pour défendre la nation ivoirienne, il y a des principes de vie, il y a des principes de fonctionnement qu'il faut avoir dans la vie. Nous étions dans un cadre de groupement politique au sein du RHDP. Le président Bédié a donné sa vision, connue de tous, et les accords sont là. On parlait de groupement politique. On ne peut pas nous imposer un parti, je veux dire, où le PDCI doit se dissoudre. Nous n'accepterons pas. Il est hors de question, parce que le président Ouattara l'a même dit. Je viens du PDCIRDA. Lui-même l'a dit, il répond à sa préoccupation, parce qu'il dirait, il vient du PDCIRDA. Bon. Donc ça a dû revenir. Bon, je ne laisserai pas dire, mais c'est tout comme. À quand le passage de flambeau aux jeunes, véritablement, au PDC? Au PDCIRDA. Ah, vous pensez qu'il n'y a pas de passage de flambeau? Mais ça reste toujours aux mains des personnalités d'un certain âge. Je dis que c'est aux jeunes de prendre les taureaux par les cornes. Je suis originaire d'Aïm-le-Kro, délégué départemental. Je crée un mouvement de cadre du PDCIRDA. Je suis allé en indépendant parce que je voulais prendre mes responsabilités. Donc c'est aux jeunes de prendre les responsabilités. C'est de ça qu'il est question, parce que c'est vrai, à tout moment, on dit, bon, les jeunes, mais qu'est-ce que les jeunes font? Il faut prouver, il faut démontrer que tu es capable d'eux. Voilà. Et aussi, c'est notre dévancier de comprendre qu'à un moment donné, il faut passer la main. Mais là encore, pour qu'on en arrive là, il faut démontrer en tant que jeune qu'on est capable d'eux. Et c'est à ce niveau-là que je pense qu'il y a, beaucoup à faire. Et je pense que le président Bédié, dans sa volonté de rajeunir, de redynamiser le PDCI, a mis des cadres du parti dans de nouvelles instances. Il a créé des comités où des jeunes même figurent. C'est ça. Quel commentaire faites-vous de cette décision de création de comités, de rajeunissement? Voix, c'est l'heure pour dire que c'est pas statutaire. Vraiment, il y a beaucoup de commentaires autour. Non, il y a une logique. Écoutez, les textes sont assez clairs. Le président du parti est en charge de donner l'orientation politique du parti. Il lui est loisir de mettre en place des organes pour mener à bien sa mission. Donc, je pense qu'il y a. C'est tout à fait normal. Mais ce que je puis dire relativement à ce que vous avez dit tout à l'heure, ça ne m'étonne pas du tout du président Henri Konan Bédié. Il a une volonté farouche d'impliquer les jeunes dans la gestion du PDCIRDA. Et en créant ces organes, ça donne l'opportunité aux gens de s'exprimer politiquement. Et donc, je pense que le président est dans la dynamique. Il sait à quel moment poser un pas. Nous avons confiance en lui. Et nous ne doutons aucun instant que les jeunes ont leur place au PDCIRDA. Le cap, c'est 2025. Pour vous, qu'est-ce que le PDC doit faire pour bien négocier ce virage-là? Il nous faut briser l'abcès au PDCIRDA. Il faut qu'on comprenne qu'au PDCI, nous avons le devoir d'être davantage structurés, d'être davantage organisés, que nous puissions avoir une politique stratégique, je peux dire, des plus corsées. Mais là encore, il faut que nous puissions faire de l'anticipation, préparer 2025. C'est pourquoi je me félicite des organes qui sont mis en place par le président Henri Konan Bédié, qui vont déjà réfléchir sur les perspectives et mettre les hommes là, il faut, pour conduire de la réflexion, c'est maintenant qu'il faut préparer 2025. Il y a de la matière au PDCIRDA. Il y a la preuve, vous voyez, aujourd'hui, nous avons PDCI TV, nous avons Radio PDCI. Tout ça concourt à la stratégie. PDCI Radio. Tout ça concourt, vous voyez, un peu à la stratégie que nous devons mettre en place pour booster un peu. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est de faire de la mobilisation. Nous devons sortir de la papierasse. Il faut descendre sur le terrain, il faut mobiliser, il faut que les jeunes se mettent en groupe pour booster les populations. Parce qu'aujourd'hui, les populations ont besoin d'un message fort du PDCIRDA, ont besoin d'un signal, d'un électrochoc. Mais pour donner cet électrochoc, il faut qu'on laisse libre cours aux énergies du PDCIRDA pour s'exprimer. Et là, le président Henri Konan Bédié l'a suffisamment compris en donnant l'opportunité aujourd'hui à des organes de travailler. Moi, je suis député, c'est vrai, je suis dans un groupe parlementaire, mais je ne m'auto-censure pas. Parce que je me dis que tout ce qui concerne l'actualité politique, j'ai le devoir de m'y prononcer pour que les Ivoiriens comprennent que nous sommes là pour leurs intérêts. Et c'est ça. Et tous les jeunes du PDCIRDA, tous les cadres doivent pouvoir s'inscrire dans cette dynamique. Booster localement nos populations et dire que le PDC existe bel et bien. Le PDC est prêt aujourd'hui à prendre le flambeau et à affronter quel que soit l'adversaire en face pour être aux affaires en 2025.
Merci honorable d'aborder en même temps le dernier virage. Le PDCI existe bel et bien. C'est pour ça qu'il participe au retour des exilés. Cet ancien honorable, c'est le retour des exilés. Est-ce qu'on peut dire que c'est le top départ du processus de réconciliation nationale? Je dis oui, mais en même temps, c'est dommage. Parce qu'un exilé qui fait 10 ans, je dis, quel dommage. Vous savez, je prends souvent l'exemple de Félix Houphouët-Boigny. Il avait ce comportement de père de la nation. Ouais. Et il a même dit, l'oiseau ne se fasse jamais contre l'arbre. Et j'ai dit toujours aux gens que quand il y a une situation, il faut faire une analyse en termes de victimologie. C'est quoi la victimologie? C'est comme un enfant qui vole. Dès que vous constatez l'enfant qui a volé, vous êtes en train de battre l'enfant. Mais ce n'est pas ça le plus important. Qu'est-ce qui a mené l'enfant à voler? En tant que père, vous aidez l'enfant à se ré-socialiser. Et c'est vous qui devez démarcher. Vous devez avoir le dos large. Et au fond, il l'a fait. En démarchant, c'est exilé pour que ces exilés rentrent au pays. Parce qu'il estime qu'il doit fonder une nation. Une nation, c'est un ensemble de cohésion sociale. C'est de l'amour partagé entre les Ivoiriens. C'est ça l'État-nation. Mais malheureusement, depuis 10 ans, c'est plutôt les exilés qui démarchaient pour notre pays, qui n'avaient pas l'opportunité dans notre pays. Mais si aujourd'hui, il y a une certaine ouverture du régime en place pour bien vous aider à rentrer, on ne peut que saluer cela. Donc, c'est une amorce pour la réconciliation nationale qu'il faut davantage consolider. Parce qu'il y a beaucoup d'exilés, d'autres sont rentrés, même le PDC est un exilé assez important, qui est le vice-président Noël Akossi Bendjo, que j'espère que grâce à Dieu, avec les uns et les autres, le concours des uns et des autres, il rentrera calmement pour servir le PDC ADA. Donc c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Il ne doit pas avoir un Ivoirien en exil, quelle que soit la situation. L'État doit pouvoir se donner les moyens d'éviter cela, parce que d'abord, un, ce n'est pas bon pour l'image de notre pays, et de deux, ça démontre notre incapacité à solutionner nous-mêmes nos problèmes. Ça veut dire qu'il y a encore des efforts à faire de la part du gouvernement pour le retour de... pour la réconciliation, beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts ont été faits. Je pense que le gouvernement peut aller encore loin. Il y a encore, bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'exilés, mais des prisonniers encore qui sont de la politique militaire qui sont des Ivoiriens, qui ont des parents, qui ont une famille, qui ont, pendant 10 ans, qui n'ont pas eu l'occasion de voir... tout ça, c'est important. J'ai dit que dans la vie, on est tous du passage sur cette terre. Le plus important, c'est de pratiquer l'amour. Même en politique, on pratique l'amour. Il ne faudrait pas cultiver la haine, d'autant plus que nous sommes tous du passage. Donc quand on veut construire un État-nation, quand on voit une projection dans son pays pour avoir un développement inclusif, où tout le monde se sent à l'aise, loin des pressions, du stress, il faut faciliter ce genre de choses-là. Parce que lorsque le couteau vous blesse, c'est votre couteau après tout. Ces militaires ont peut-être fauté, ces politiciens ont peut-être fauté, mais dès l'instant où on gère le pays, on doit avoir le dos large. Et je me félicite le président de la République d'avoir vraiment compris davantage cette situation et aide à ce que les exilés puissent rentrer et que tout se puisse avoir une solution. Honorable, il a annoncé le retour de Laurent Gbagbo de Charles Blé Goudé. Ouais. Votre parti, le PDCI-RDA, entend prendre une part active à l'accueil de ces deux personnalités. Est-ce un signe de la consolidation de l'alliance PDCI-FPI pour vous? Mais vous savez que le président Henri Konan Bédié a été toujours attaché à tout ce qui touche l'Ivoirien, quel que soit son bord politique. Aujourd'hui, il s'agit d'un ancien chef de l'État qui rentre au pays suite à une décision de justice. Et évidemment que le président économique a le devoir de s'y impliquer. Il a le devoir. Donc, nous sommes en alliance avec l'EDS, avec le FPI. Bon, peut-être que cela pourrait contribuer, mais je dis que cette donne fait partie de l'ADN du PDCI-RDA. En tant que parti qui se veut rassembleur, parti qui se veut, je vais dire, qui veut apporter sa pierre à l'édification de cette nation qu'il aime tant. Quelles sont vos attentes du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? Nos attentes sont multiformes. Multiformes. La première des choses, surtout, c'est d'être un acteur de paix. Un acteur de paix, un acteur de réconciliation nationale. Et je rêve d'une Côte d'Ivoire suffisamment rassemblée. Quelles que soient nos divergences politiques, quelles que soient même nos maîtrises, je rêve de cela. Et je souhaiterais qu'il puisse contribuer efficacement, de par son aura, à faire en sorte que les Ivoiriens se parlent et que nous puissions, je lui dis, taire plus ou moins nos querelles intestines et tout ça, parce que nous avons besoin de vivre ensemble. Qu'est-ce qui se passe réellement avec votre réseau? Est-ce que ce mouvement est encore dynamique comme... En tout cas, c'est une très belle question, mais c'est une hibernation voulue. Vous savez que je suis candidat indépendant. Je ne pouvais pas instrumentaliser un mouvement que j'ai créé pour le PDCI-ADR. Ce n'est pas honnête de ma part. Donc, je suis allé en campagne, j'ai gagné sans le réseau, peut-être officiellement.
Donc maintenant que je suis élu et que je suis entré porté, j'ai ma toge, sinon je dirais la chemise de l'élu, nous allons nous y atteler pour y mettre ça à flot. Honorable, avant de terminer, votre mot de fin. Écoutez, d'abord c'est de vous dire merci. Et c'est d'inviter suffisamment les cadres du PDCRDR à soutenir PDCI TV. En tout cas, nous allons jouer notre part. Mais ce que je voudrais dire, c'est d'inviter tous les militants du PDCRDR autour du président Henri Konan-Bédié d'être sûrement solidaires de ses actions. Parce que nous avons besoin d'être autour de lui. D'être autour de lui. Parce que du haut de ses 87 ans, il a beaucoup apporté au PDCRDR et continue à apporter au PDCRDR. Aujourd'hui, c'est d'être suffisamment ses mains, c'est d'être suffisamment ses instruments pour que le PDCR en 2025 soit aux affaires. Peut-être avec la jeunesse, comme on le souhaite d'ailleurs. Pourquoi pas. Merci Honorable pour ces échanges. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous, messieurs Jérôme Indri et César Broutier. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez apprécié cet agréable moment d'échange. Merci d'avoir été avec nous. Restez connectés pour un prochain numéro avec un autre interlocuteur. Merci. Bonsoir.